Hello, donc on se retrouve dans cette partie 2 pour vous montrer donc les produits que j'ai reçus dans un colis que je ne sais pas de qui il provient. Donc voilà, je te laisse regarder. Donc là, je viens de déballer du coup donc le gros carton. Donc il y a un petit paquet, bon, un paquet moyen, un grand paquet et du coup donc là c'est du savon Rituals au Sakura de chez Rituals. Et du coup bon, je vois que c'est cassé ici, donc dommage hein, parce que bon le colis était bien emballé tout ça, mais du coup c'est cassé. J'espère que du coup j'ai pas beaucoup perdu. En tout cas j'ai rien vu qui était mouillé, donc je pense que c'est bon. En fait, j'ai reçu une carte, donc j'ai reçu cette carte là. Et du coup, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça. Donc, à la femme que j'aime, joyeux anniversaire, Sarah. Alors qu'effectivement, c'est mon anniversaire, là, le 3 décembre. Donc, je ne sais pas qui c'est qui m'a offert ça. Surtout qu'il connaît mon adresse. Donc, à voir. Hein. Si j'ai des admirateurs secrets, j'aimerais bien savoir. Mais merci. Du coup, on commence par le petit pochon qui est quand même assez rempli. Il y a des choses en dessous. Donc là, il y a des petits échantillons. Donc, on the white side, bombe contour des yeux. Voilà. Donc, on a deux pores professionnels. Donc, c'est un primer de Benefit. On a du Kenzo. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une crème pour peau sèche. Ange gardien. Voilà. Donc là, oh, c'est mignon ça. Donc là, il y a trois fonds de teint. Du coup, donc à tester. C'est super joli ça. J'aime beaucoup. Ah, alors là, on a du collagène à la chicorée et au ginseng. Ah, c'est super sympa ça. Je vais tester. Et du coup, j'ai du mascara Anastasia Beverly Hills. Ça, franchement, je vais trop tester. C'est trop bien. J'ai hâte de voir. Donc là, on va continuer avec le petit pochon. Donc là, c'est une crème. Une base protectrice éclat mini-tube. Donc, échantillon de luxe. Voilà, donc il hydrate. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il y a donc un mascara de la marque Better Than Sex. Donc, si on voit les deux, bah ouais, c'est vrai que ça porte beaucoup de volume. J'irai tester. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Encore un mascara. Un petit de la marque Tarte. On essayera aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Complexe multi-réparation synchronisée des styles à odeur. Donc, ça doit être une crème, une petite crème, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore du mascara. Bah, dis donc, je suis gâtée là en mascara. Qu'est-ce que j'ai encore? L'Anolips. C'est du. Ça doit être du lip balm, du baume à lèvres. Hop, encore là, j'ai un tout petit échantillon. Donc, Soft Pinch. Ah, c'est du blush liquide. Ah, excellent, j'adore. Je vais tenter ça aussi. Alors là, Benefit 24 heures Brow Setter. C'est un gel pour les cils. Ah, c'est trop bien. Gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Voilà, les sourcils. Ah, trop bien. J'ai hâte de tester aussi. Ensuite, on a un Béjaflore Elastic Cream. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça doit être peut-être un baume à lèvres. Ah, c'est fermé. Je ne peux pas voir. Hop. Alors, on continue. Donc là, j'ai une petite crème clinique, sans heure auto replenishing hydrator, soin auto réhydratant, 100 heures, hein. C'est bien ça. Voilà. Hop là. Ensuite,
Water Blank Blue Hyaluronique. Donc, c'est une crème hydratante à l'acide hyaluronique bleu. Voilà. Et c'est de la marque. Alors, ensuite, donc, on a du Cicaplair. Donc, c'est un traitement correcteur du couleur à l'herbe du tigre, hein, de Dr. Jart. C'est un petit format, mais c'est très bien pour tester. Alors, là, c'est un masque soin purifiant de la marque Glam Glow Super Mood. Donc, à tester aussi. Ensuite, on a un masque au cannabis. Satya Seed Oil. Donc, huile de chambre. C'est super original. Extrait de Reishi et extrait de Rhodiol. Et ben, ça a l'air des petits patchs pour en dessous des yeux. Voilà, c'est ça. Patch gel, yeux apaisants infusés à l'huile de chambre. Franchement, j'ai hâte de tester. Et c'est la marque, du coup, Patchology. Voilà. Ensuite, donc, on a donc, de la marque Origins, du ginseng ou ginseng. Je ne sais pas comment on prononce. Donc, c'est une crème. C'est un masque éclat, un petit masque éclat, voilà. Je suis désolée, je filme comme un cochon. alors, Evercalm, donc Global Protection Day, donc crème de jour, protection globale, de la marque Ren Clean Skincare, et c'est pour peau sensible. Donc voilà, on va tester tout ça. Donc là, ça y est, on a fini le contenu du pochon. Il y a quand même beaucoup de produits là. Franchement, je suis gâtée. Hein. Alors, je viens d'ouvrir et en fait, ça, c'est le calendrier de l'Avent Sephora. Je suis trop contente. Franchement, ce calendrier-là, il est topissime. J'avais déjà vu quelques petites vidéos sur ça. Donc, des renseignements, tout ça. Donc, voilà. Je ne sais pas qui c'est qui m'a offert ça. Donc, merci beaucoup. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo en vous montrant un peu le contenu ou si vous préférez qu'on ouvre jour par jour à partir du 1er décembre, sachant que le 3, c'est mon anniversaire. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner donc à ma chaîne, du coup, pour avoir plus de contenu de ce type et puis découvrir des nouveaux produits ensemble. Bisous, bisous.